Hello, and welcome to the Low Emission Program, where we tell you all about today's mobility problems and fixes, and how to get around more efficiently and pollute less. Today, we are interested in travel between suburbs, connecting the peripheral cities without passing through the center of town. Now, here is one of our century's greatest puzzles. Déjà Victor Hugo, dans Les Misérables, disait « Montfermeil, cette ville sur la route de nulle part ». Ça fait maintenant 50 ans qu'on a 60 000 personnes qui sont totalement enclavées. Déjà, on doit compter une demi-heure pour aller jusqu'à une gare, pour aller sur Paris. Donc, il n'y a que les bus qui viennent ici. Il faut une heure et demie pour aller à Roissy, une heure et demie pour aller à Paris. Nous avons le taux de motorisation le plus fort de la Seine-Saint-Denis. Donc j'ai les bagnoles partout dans les trottoirs, enfin sur les trottoirs. How can we change this untenable situation? Good news. A new metropolitan project in the works includes a metro station in Montfermeil. The project will offer our commuters a 130-kilometer metro ride that operates day and night without a conductor. What impact will this new station have in the Paris suburbs? C'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est enfin pour le territoire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, la possibilité d'être raccroché à la dynamique de la région Île-de-France. Ça m'éviterait de dépenser de l'essence. Je pense que ça va changer un petit peu aussi pour nous. On a le droit aussi d'avoir une ligne pour Paris. Ça serait mieux, ce serait un plus. C'est plus simple, c'est plus rapide. On serait comme tous les autres. On serait pas tout seul dans notre coin. Donc forcément, ça va, le prix du mètre carré va augmenter. Le processus de paupérisation qui veut que les classes moyennes dès qu'elles ont un peu d'argent, quittent le territoire pour d'autres endroits plus agréables, et bien que ces classes moyennes puissent non seulement y rester, mais même y revenir. C'est un peu compliqué, ça peut dire que les jeunes ils vont rester près de ces habitations-là, donc ça peut être à double tranchant. Bah, j'espère un peu plus de commerce, parce que le centre-ville est un peu sinistre. Et quand on vous fait revenir des populations qui sont solvables, bien vous faites revenir derrière, naturellement et automatiquement, les commerces. La qualitat de l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona no compleix amb els requeriments mínims exigits per la Unió Europea. En els corredors d'accés a Barcelona, en els que s'ha limitat a 80, s'ha reduït les emissions de partícules de menys de 10 micres i d'òxid de nitrogen a l'entorn del 12-13%. El consum a la zona 80 es situa amb una reducció de l'11%, els accidents, ja he comentat la reducció del 50% dels accidents, es guanya en fluïdesa. A billion people will be living in Chinese cities by 2030. That is the prediction made by a McKinsey & Company report that focused on the growth of urbanization in a country which already accounts for 620 million urban dwellers. The pace of construction is so frantic that public officials have difficulty organizing space. Cities like Dongguan, Shenzhen, Foshan need to be raised and rebuilt to solve this congestion problem. They are currently massed into dense clusters that are poorly constructed, with poor commuting facilities and outdated infrastructure. However, the formula to build a green area is no mystery. Take a good dose of homes, add a few amenities, schools, parks, and stir. Spice them up with businesses and blend until the mixture is very compact. Ah, I forgot. You have to mix these ingredients well until everything is reduced to reasonable distance by foot, and then you have the classic model of urban planning. Okay, I admit, yeah. It won't be easy to adapt this recipe to accommodate 1 billion people, but... That's it for this low emission program. I'll be back soon for more news on mobility.tv. Thank you.